Je donne mes félicitations à la brigade. J'ai vu le combat, j'ai vu ce que vous avez fait, la soirée est annulée. Moi aussi, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle par rapport aux interviews. Tout s'est bien passé. Et je pense que nous allons descendre au pays haut les mains. Nous allons descendre au pays haut les mains parce que j'ai discuté avec beaucoup d'hommes politiques. Les gens ont parlé que Niat a fait ça. Mais ils n'ont pas su. Le dernier côté de Niat. J'étais à Genève, j'ai discuté avec. J'étais invité par la première chaîne de télévision de Suisse. Parce qu'ils ont vu le mouvement que j'ai fait. Ils ont fait le rapprochement avec le président camerounais qui vit à Genève. J'étais en interview avec eux, on a parlé, on a fait une réunion. Après, on a fait une interview. Après, on a fait qui sera disponible. Et le lien, ils vont m'envoyer le lien, ce sera disponible sur toutes les pages. Je dis bravo, bravo, bravo à la base. Je tiens un coup de chapeau à tout le monde qui ont participé à ce combat. Comme vous le savez toujours, moi, je suis Niat, j'aime la droiture, j'aime la sincérité, la franchise. Je n'ai jamais voulu, je suis resté sur ma position jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, que Bendeka sera recevable. Mais comme le peuple a choisi, a décidé qu'il sera irrecevable, le peuple est allé, le peuple a renversé Bendeka. Donc, maintenant, à l'heure que je vous parle, il est les 2h05, je suis sur Paris. Peut-être, je vais aller retrouver les combattants. Je viens d'arriver, je suis là, je suis en train de manger dans un restaurant. Tout s'est bien passé à Zurich et à Genève. J'ai fait l'émission avec ces journalistes. Et je pense, d'après ce que nous avons parlé, la libération du Cameroun ne va pas se faire avec nos marches que nous allons organiser. J'étais là, j'ai parlé avec des journalistes même de TF1. Je vais vous donner les noms puisque nous avons les photos, nous avons tous les liens que nous avons parlé. J'ai parlé avec le plus grand reporter, Patrice Fandio. Nous avons parlé, nous avons discuté. Moi, j'ai pris la décision, je vais rentrer au Cameroun, je vais prendre mon billet, Air France, en semaine. Je vais aller sur place. Par rapport à la réunion qui s'est passée en Suisse, j'ai mis ça bien exprès comme ça en africain, parce que cette réunion, tout le monde était en veste, cravate. Il a dit non, je m'habille en africain, j'ai mis mon drapeau au cou. J'ai représenté le Cameroun, j'ai représenté la basse. La basse, c'est le Cameroun. Wilson Divan Gassam, je n'étais pas trahi. Mais je sors de quelque part où tu vas me donner raison. J'étais pas là sur le terrain à Paris, mais je sors de quelque part où tu vas me donner raison. Vous tous, vous allez m'acclamer, mais c'est pas ça que je veux. La seule chose que je veux, c'est le changement dans mon pays. Faut combattre le changement dans mon pays. Tous ceux qui pensent dans leur tête que je leur ai trahi une seule minute, qui me pardonnent, mais je suis sûr que je vais recevoir beaucoup d'SMS de pardon. Benjamin, excuse-moi. Donc, je ne donne pas un challenge ou un défi à mes frères combattants de Paris ou de Bruxelles ou d'Allemagne ou des États-Unis du Canada. Mais moi, je prends mon billet. Je sors de la réunion avec eux. On a parlé. On a discuté. Je suis passé à la mission. Vous voyez ma face brille. Trop de maquillage. On me fait des maquillages et tout. Je suis passé. On a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc, je vous dis, je vous promets, Niat Benjamin, je serai le premier, je vais tendre mon billet devant vous, devant la foule, je vais descendre moi-même en direct. Il ne va rien me faire. Même si le fait, ce jour, ça sera un départ solennel à l'aéroport des A21 à Bruxelles. Je vais dire au revoir aux enfants et je vais partir. Parce qu'il faut que je sois là. Il faut que je sois là pour représenter ce peuple-là. Je vais partir.
Je donne un coup de chapeau à la brigade. Merci, vous avez remboursé Bendeka. Selon la volonté du peuple. Pas la volonté de Nyat, mais la volonté du peuple. Merci. La seule chose qu'il faut faire, nous allons le faire ensemble. Tina Alice Kenny, tu as raison de le dire, peut-être parce qu'on m'a noirci devant le peuple. On n'a pas su ce que Nyat fait. Vous pouvez penser qu'un seul instant, Nyat va abandonner toutes ses activités. Je vais laisser mes enfants pour venir trahir le peuple après. C'est une question d'argent ou de quoi? Non. C'est pas, je viens d'arriver. Je vous parle. Je suis du centre de bois du Dino, le top du Cameroun. Donc, bien mercredi. C'est pas un suicidaire. Je prends le. Flo Lumba, c'est pas suicidaire. Je prends, je vais au Cameroun. Rien ne va m'arriver. Rien du tout. Sachez-le, dès à présent, tout l'Occident, personne, tout le monde a lâché Biya. Tout le monde a lâché Biya. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer toutes les coordonnées, les liens, les chaînes de télévision que nous avons en Suisse ensemble. J'étais avec le plus grand reporter, le suicidaire, on l'appelle le suicidaire, Patrice Fandio, de TF1. Nous sommes ensemble, on a parlé. Là, on fait l'émission ensemble. Donc, on va écrire comme les Oumnobins. Demain, c'est vous qui allez défendre demain qu'on mette un monument pour Nyat. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Nathalie sera un plomb. Moi, je suis arrivé, je suis à Paris déjà. Je vais prendre la route demain pour rentrer à Bruxelles. Donc, tous mes frères et sœurs, tous mes amis, mes combattants, faites confiance au changement. Comme je l'ai toujours dit, Nyat a supporté Paul Biya, mais j'ai expliqué pourquoi. Mais même Biya lui-même a su que Nyat n'est pas son ami. Ses partisans ont su que Nyat n'est pas son ami. Je n'ai pas parlé au peuple en me cachant. Flo Lumba, je sais qu'il n'y a rien à prouver, mais on va aller, on va combattre, on va prendre ça. Moi, je dis bien, je ne lutte pour aucun opposant. Moi, je lutte pour mon peuple. Donc, même si demain, je renverse ce pouvoir, je vais donner à personne. Je vais prendre pour moi. Je serai président. Voilà. Donc, je lutte pour qu'il y ait un changement, pour que tous mes frères vivent bien et heureux. David Mac Ekedi, ça ne sert à rien d'écrire tout ce que tu parles, mais tu vas comprendre demain. Ben Ekla n'a jamais fait carton plein. Tous mes gars sont là, ils sont sur place. Il n'y a rien. Voilà. Je ne travaille pas plus avec les PC, désolé. Il ne travaille jamais, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire pour le RDPC. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que mon père est décédé en Belgique. Mais son corps n'est pas descendu au Cameroun à cause du RDPC. Donc c'est travail pour le RDPC. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai trahi la mémoire de mon père. Pas pour le peuple, mais même pour mon père. Donc c'est la famille. Je vais vous mettre tous les liens des vidéos. Les trucs qu'on a tourné à Genève. Des émissions, vous allez écouter. Vous allez voir que le peuple en a marre. Moi, on m'a contacté inbox seul. J'ai quand même annoncé dans la page de la brigade. J'ai dit, moi, je voyage pour Genève. Mais là-bas, ça a tourné. C'est devenu un problème politique, mais j'ai dit, j'accepte. Donc, aujourd'hui, David Mac et Ken Ebendi, ça s'appelle quoi? Ebendi. Je ne suis jamais infiltré du RDPC. Crois-moi. Moi, je vous parle, crois-moi. Donc, je vais vous prouver. Le combat ne s'arrête pas là. Oh, juste la dernière prestation des artistes Sardina. Mais,
Nous allons vous montrer que ce n'était pas à ce niveau, que ce n'était pas au niveau du peuple seulement. Nous allons réagir. Wanda believe Ghana, il n'hésitait jamais trahi. Jamais. Jamais de la vie. Wanda Guinness, crois-moi. Chinda, je ne vous ai jamais déçu. Bonsoir, mon petit camarade Niat. Bonsoir, Antoine. Oui, vraiment, c'est très bien. Je suis bien. Tu vois, il faut savoir que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le peuple. Et ne laisse pas qu'on te distraie. Mais tout le monde est distrait jusqu'à ce qu'on voit la vérité. Donc, tu vas te jeter les cailloux ou quoi que ce soit. On te laisse en paix. Vous savez, on est en face d'une machine qui broie tout. Parce qu'ils ont broyé nos grands-parents, ils ont broyé nos parents et ils veulent nous broyer. Mais ils ne réussiront pas parce que nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout. Et puis la différence avec nos parents, c'est que nous avons la technologie avec nous. Mais utilisant la technologie pour un bon fait, pour un bien fait, pour une construction. Et puis, moi, je vais toujours parler encore à mes frères en France. Ce message s'adresse à mes amis, mes frères en France. Vraiment, nous sommes gens en Europe. Changeons de mentalité parce que... Attends un peu. Wilson Divine oui. Gassam, je n'ai jamais rien reçu. Je ne peux pas trahir mon peuple en prenant de l'argent. Je vous parle sérieux. Je n'ai jamais reçu même de l'eau à boire du RDPC, jamais. Je ne peux pas trahir mon peuple. Faites-moi confiance. Je vais faire le changement, vous allez voir. Faites-moi confiance. Même de l'eau à boire, même une bouteille d'eau à boire, je n'ai pas reçu du RDPC. Ne croyez pas à tout ce qu'on a fait. On m'a sali sur Facebook, non. Croyez à l'homme du terrain, comme je suis. Chaque jour, je couche au terrain. Croyez à cet homme-là. Je n'ai jamais bu de l'eau du RDPC. Et je ne vais jamais le boire. Jamais. Donc, tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas pris un euro, détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous comprenez? En tout cas, Ali la banque alors. Le promoteur de Benjamin ne peut rien me donner. Rien. Rien. Rien du tout. C'est pas une question de 50 000 euros. David Smack, je vais le libérer. Je vais libérer le pays là. Je vous ai dit, même 1 euro, je n'ai pas pris de quelqu'un. Oui, mais moi, je te crois, mon frère. Tu n'as pas beaucoup besoin de te. Tu n'as pas besoin de beaucoup te gosier. Tout le peuple camerounais suit tout ce que nous faisons. Tout le peuple camerounais suit tout ce que nous faisons. Ça veut dire, même s'il est en Russie, qu'il se met n'importe où, tout le peuple camerounais nous suit, général Niat. Tu n'as pas besoin de te justifier devant qui que ce soit. L'homme camerounais aime quand c'est mauvais. Alors nous, on connaît le bon côté. C'est nos actes qui vont prouver qui nous sommes. Il faut pas, c'est pas la bouche. Va seulement continuer à faire ce que tu as à faire. Un point, c'est tout. C'est pas besoin de te justifier devant les gens. C'est pas tout le monde qui va aimer tout ce que tu fais. Même si c'est bon, c'est pas tout le monde qui va aimer. Parce qu'il y aura toujours les jaloux. Alors ne va pas sur ce côté de glissement de paroles là. Tu ne t'expliques à personne. Tu allais demander pardon au peuple camerounais. Ils t'ont pardonné. Continuons le combat. Un point, c'est tout. Laisse les critiques. C'est ce que je t'appelais pour te dire. Moi, je suis au nord de l'Europe. Tu vois que je suis loin de vous. Je suis au nord de l'Europe. Alors, vous ne pouvez pas savoir que c'est tout le monde entier qui nous suit. Tout le monde entier, c'est pour le peuple qu'on se bat, pas pour une personne. Merci. Et j'annonce la brigade anti-Sardina au nord de l'Europe parce qu'ici, déjà même, c'est interdit à tout dictateur. Ils viennent ici, ils ne vont jamais rentrer au Cameroun. C'est carrément interdit même déjà. Parce que même si un banquier prend un seul franc d'un dictateur, lui-même, il ira en prison ici. Ici, on ne blague pas. Donc, général, y a-t-il un général? Attends un peu. Ange Rosie, tu poses la question, Niat, notre président, papa, comme toi, prêter ses mains, quand moi-même, je suis le premier à dire à Kamto de prêter ses mains, même si c'est dans sa chambre, en live, qui forme son gouvernement, nous allons réagir. On ne peut pas réagir si lui-même reste calme. S'il reste calme, ça veut dire qu'il accepte la victoire de Paul Biya. Même s'il reste dans sa chambre, il prête ses mains que moi, je suis le président du Cameroun, je nomme tel, bah, mon gouvernement, tel, on va réagir. Rien ne nous dépasse de réagir ici en Europe. On peut bien aller dans les ambassades, on casse, on fait les rôles, on casse tout ça, mais
qu'il parle. On peut casser après lui que non, je ne voulais pas ça. Qu'il prête ses mains, même dans sa chambre, en vidéo, en direct, en live. On envoie ça dans le monde, ça tourne. Il fait son gouvernement et nous allons réagir. Donc nous sommes toujours obligés de rester calmes parce que la personne qui a discuté avec Paul Biya, lui-même, il est calme. Il a bien dit, je veux la paix, je ne veux pas les problèmes. Mais qui se déclare, qui se révèle, vous allez voir ce que nous allons faire. Vous allez voir les quoi ils sont capables. Mais mon frère, merci, je veux parler. Oui, donc il disait qu'il ne faut pas que les gens soient pressés. Le professeur, son excellence Moïse Kanté, le président élu, n'est pas un vat en guerre. Nous devons apprendre nos histoires parce que nos grands-parents ont échoué avec la guerre. Nos parents ont échoué avec, ce qu'ils appelaient le mouvement Makiza. Et maintenant, nous, comme j'ai dit encore, la réflexion, c'est dans la tête. Le combat, c'est dans la tête. Le professeur Kanté attend. Allez pas à pas. On attend les résultats des recomptages des voix qui est en cours. Alors, il ne faut pas que les gens nous... On attend le mode du président. Il connaît à quel moment il va agir. Il a une avance de 50 ans sur tout le monde. Non, c'est comme ça, il est stratégique. Laissons-le, attendons son mot d'ordre. Un point, c'est tout. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. La personne qui veut parler peut parler parce qu'après. Donc, mon frère, général, c'est ça que je t'appelle pour t'encourager. Ne suis pas les discours haineux, les discours de division. Nous sommes avec toi. Nous sommes Merci. Avec tout le monde qui est avec le peuple. Nous tous. Merci. Sans exception. Oui. Même au Cameroun, les gens attendent de toi. Bienvenue. Ah, il y a les sadnas qui s'infiltrent là. Ne les suis pas. Il y a les sadnas qui sont là pour s'infiltrer, déranger. Tout ce qui te dérange, tu les bloques. Tu bloques tout ce qui dérange. Parce que maintenant, ce n'est pas les blagues. Le combat continue. Ils ne vont pas remplacer Mahi Matip qui aujourd'hui là. Il y a toujours les traîtres. Alors tu les bloques. La salle n'est pas pleine. Calme-toi. Donc, mon frère, du courage. Nous, on vous suit. Le peuple nous suit. Le peuple de Ngelmenduga, de Bipindi, de Rodolf, de Djoum, de Samnima nous suit. Donc, sois sérieux dans tout ce que nous faisons. Ne chante, ne te dis, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je t'ai appelé, tu ne m'as pas expliqué que tu n'as pas besoin. Attends un peu. Vive ensemble. Je fais pas le combat pour Kamto. Jamais. Je fais le combat pour le changement. C'est tout. Voilà. Je fais pas le combat pour Kamto. Je fais pour le changement. Même si demain, que ce soit un ministre qui soit présent au Cameroun, c'est ce que nous voulons, le changement. Voilà. Parce que la personne qui va monter va voir que le peuple a cherché Paul Biya, il va être droit. Ok, merci. Voilà. Donc ne pensez pas que moi je risque ma vie, je laisse, j'abandonne tout ce que je peux faire. C'est pour m'amuser ou c'est pour prendre 50 000 euros, non. Je suis là depuis longtemps. C'est 50 000 euros. Ça ne reprend rien pour moi. Voilà. C'est ça. Mais mon frère, merci. Hein. Tu peux laisser, il y a quelqu'un qui voulait parler depuis là, s'il te plaît. Ok, d'accord, ça va. Donc, tu vois, moi j'ai dit seulement que on ne parle pas là pour Kamto. Kamto n'envoie personne dehors. Nous partons dehors pour les pygmées de Bipindi. Nous partons dehors pour nos parents qui ont tué en nord-ouest, en sud-ouest. Et puis, tout ce qu'ils ont à dire, on n'est pas là pour. Il n'y a pas toujours à mener le nom de Kamto. Et puis, il n'est pas un chiffon. Ça, c'est un professeur que tout le monde entier cherche. Alors, on a quelque chose que les autres n'ont pas. On doit le prendre au sérieux. Nous ne sommes pas pour nous amuser. C'est comme ça. Si un point, c'est tout. Donc, mon frère, si le boycott a échoué aujourd'hui, c'est parce que ce que vous pensez dans votre tête. Mais au moins, on a écouté. Le message est passé. Non, ne vous dites pas que le boycott a échoué. Même si Ben Kachan, avec une salle pleine, le boycott n'a pas échoué. La police était là, ils ont écouté ce que les Camerounais parlent. Ce que nous voulons. Et ça s'est passé. Nous n'avons pas voulu prendre les armes au Cameroun parce que nous avons tous des familles au Cameroun. Mais s'il faut, on va le faire. Paul Biya ne sera jamais président au Cameroun. Il ne va pas rester dans ce pouvoir-là. Croyez-moi, vous avez ma parole, il ne va pas rester dans ce pouvoir-là. Vous comprenez? Marie Diomo, c'est rien. Il ne va pas rester dans ce pouvoir. Merci. Je veux donner ça. Non, voilà.
Oui, allô, France, à ce moment. France, à ce moment. Oui, bonjour, France. Oui. Soit nous laisse tomber, nous avons gagné. Je suis, voilà. J'étais pas là, j'étais à Genève. J'étais à une émission là-bas, télé à Genève, par rapport à la basse. Je ne vais jamais laisser mon peuple camerounais, croyez-moi. Je vous le dis aujourd'hui, Niad Benjamin Barano, je n'ai jamais reçu un euro du RDPC ou de qui que ce soit pour trahir mon peuple. Même une bouteille d'eau, je n'ai jamais reçu pour trahir mon peuple. Je ne vais jamais l'accepter. Moi, je ne suis pas là pour jeter les fleurs, qu'on m'a proposé ça, on m'a... Non. Moi, le seul moment où on a voulu me corrompre, c'était à Nice, par le petit frère de Charles Nongo. Mais j'ai dit non. En dehors de ça, je lutte pour mon peuple. Croyez-moi, je lutte pour mon peuple. Je vais toujours être là pour mon peuple. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Mais moi, Niak, je serai toujours là. Je n'ai jamais trahi le Cameroun, David Marc. Kedi, tu peux parler si tu veux. Tu peux parler, David Marc. David Marc, je n'ai jamais trahi le pays. Je ne vais jamais le faire. Jamais. Croyez-moi, s'il vous plaît. Donc, tous les Camerounais, à cause du sabotage, qu'on a raconté par rapport à moi, faites-moi confiance. Niak, il ne va jamais le faire. Judas Carlos, jamais. Je ne vais jamais le faire. Croyez-moi. Baya, descends le truc. Si la police passe là, c'est pas bon. Hein. Je vais vous couper, s'il vous plaît. Merci. Manila Bankalov, la vérité, c'est que Niak n'a jamais rien pris. C'était une campagne de sabotage à ma personne. Par rapport à quoi? Par rapport au problème interne que je ne veux plus expliquer. Là. J'ai plus envie d'expliquer. Parce que tout est calme, je ne veux plus expliquer. C'est une campagne de sabotage, c'est tout. Mais dites-vous que je suis toujours votre guerrier, votre général. Et on va libérer ce pays ensemble. On va libérer. Et j'étais plus tard, mon. On va libérer ce pays ensemble. Mousse Biloga, je ne suis pas chez Benzeka parce que je reviens de Suisse. Je reviens de Suisse. Lolo, je ne peux pas te choisir, Lolo. Je ne sais pas pourquoi. Lolo, je t'ai envoyé. Elle est partie. Hein. Jacques, toi, non, moi, je suis combattant à vie. Hein. Tu ne me connais pas. Hein. À vie. Lolo, elle est partie, elle n'est plus là. Au revoir, la famille. Je vous aime. Tinda, aie toute ta même confiance. Merci.